Mais quand on récoltera des Oui, ils en plants, redonneront. c'est ça, j'espère. Ok, j'en ai. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que je viens de finir de sécuriser toute le champ et je vais y aller à coup de. Parce que t'as marché dessus, du coup, donc t'as pété la moitié du terrain. Ouais, mais il n'y avait rien de planté. Ouais, y a rien de planté, mais même. Après, il faut attendre un petit peu de temps que ça s'irrigue à la flotte, tu Oh sais. là C'est là. pour ça. Mais c'est grave, c'est grave. Et voilà. Et donc, moi, je vais recommencer à sécuriser l'endroit avec des barrières. Quoique, c'est peut-être une bonne idée maintenant de faire ça alors que j'ai qu'un point de vie. Et puis que c'est la nuit qui arrive, hein. Est-ce que t'as Ouais. de la bouffe? Non, je n'ai plus rien. Mais le mieux serait que je me suicide, je pense. Est-ce que... Ouais. Sinon, il y a viande de zombie. Tu veux bien me frapper? Oui. J'arrive! Ouh! J'accours, je vole! Le gars pour mettre des. Yeah! Aïe, aïe, aïe! Ouais, c'est bon. Ah! J'essaye de Ouais, rien te oh, je piquer. suis où? J'ai popé dans un biome neige. Oh mon Dieu! Alors attends, pas de panique. Je suis en moins 40, moins 28. Fanta, au J'ai secours! mis un j'ai fait un monument en gravier que tu devrais apercevoir. Mais il neige! Je vois plus rien! Il fait Oh. nuit, j'ai froid, c'est le voile céleste! Dis-moi les coordonnées, s'il te plaît. Juste parce que là, Alors, je suis en moins 40, moins 20. XZ. putain, j'y comprends plus rien. XZ, je veux juste les coordonnées XZ. aussi. Ah d'accord, ouais, je regardais tout ce qu'il y avait en hausse. Moins 188, 65, 245. Moins 188, 65, 245. 245. Pardon. C'est par là. 245, attends. Je vais y arriver. Ah! Aïe, creeper. Excuse-moi. Donc, alors, moins 188, 245, c'est ça? Enfin, Z, c'est 245, c'est bien ça? Oui. Bon, il faut absolument pas qu'on meure, Fanta. Ouais. J'ai laissé ton stuff, il t'attend. Non, récupère-le parce que le temps que je revienne, je suis poursuivi Non, je par crois qu'il 3 à 4 disparaît plus creepers. maintenant, ça y est. Ah! Je suis entouré de creepers, Fanta, ça explose de partout, je suis mort. C'est ton destin. Ouais. C'est la folie. Alors, on va pas paniquer. C'est ton destin. C'est moins 188, 245. Je vais Alors, l'écrire. Je vais l'écrire, prends-toi je vais en main. l'écrire. Moins 188. Je peux pas tout taper sur moins. Attends. Suis en train de délirer. Tu te rappelles la chanson des Inconnus? C'est ton destin. C'est ton destin. Eh Moi, je me ouais. souviens surtout de C'est toi que je t'aime. Ouais, nègre à bouche bite. Vachement. Ok, bon. Eh ben, je suis dans la Maximus Fanta parce que je me suis fait agresser par 10 creepers en même temps. Je suis dans un biome qui est absolument sublime, par contre. Il y a Alors le des... problème c'est que moi aussi je suis pas loin de mourir. Est-ce que je me tue? On essaye de se retrouver ensemble ou... Non, non, je préfère que tu gardes les coordonnées de l'endroit parce que si on doit tout recommencer de zéro, on va être dans la Maximus. Il faut absolument... Aïe, 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 je me fais taper! Je me fais taper! Non, au secours! Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, je paniquerai pas. Je paniquerai Je pas, vais je nourrir de courrai. viande de zombie, hein, à la Par guerre contre, comme à la guerre. sur la route, j'ai récupéré énormément de champignons. J'ai 16 champignons, mais ils sont marrons. Ce n'est pas des champignons rouges, malheureusement. Champignons rouges vont nous manquer. Il Je y a des loups. fume. Yeah. Comment ça, tu fumes? Non, je déconne. Non, mais en fait, tu sais, je fais de la fumée verte parce que j'ai bouffé du zombie. Par contre, il faut absolument qu'on crée un lit. Comment on fait déjà? Mouton. Aïe. Je vais aller en tondrin. Tu voulais pas au début. Oh purée, je suis envahi par les squelettes. Putain, il y en a trois qui viennent de popper. Mais c'est dingue. Non, au secours. Alors attends, c'était quoi donc les... Aïe, 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 je me fais taper. Je me fais taper par quoi? Je me fais taper sans doute par un squelette. Moins 188, 200... Enfin, 188, 245. Comment Attends, j'assure? je me fais attaquer par des zombies, puis par des squelettes, je Oulia! les esquive. Qu'est-ce que t'as trouvé le lieu? Je cours, ça vient. Ok, donc là, je suis plutôt bon. Il faut... Ah, c'est bon, j'ai retrouvé la baraque. J'ai la baraque. Ouais, effectivement, on apparaît bien à bon 300 mètres de la baraque. Mais plus que 300 mètres, c'est bon de borne. Je te vois, Fanta. Attention, il y a un Super! zonzon. Je peux récupérer tout leur merdier. Je suis Mon complète, stuff, j'ai plus il est qu'une où? vie, j'ai qu'une demi-vie là. Ok. Non mais tout va bien, je viens de bouffer du Attention, il y a zombie. un creeper là-bas qui... Purée. Mais c'est l'invasion. Eh, super les barrières. Tu Bah oui, crois pas qu'il faut de la merci. lumière? Après, quand on aura mis toutes les barrières, on éclairera l'endroit comme un putain de sapin de Noël.
Non, pitié. Raté. Ok. Ok. Là-bas. Aïe. Non, mais je suis mort, moi je suis quasiment mort. Non, 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 non. Non. Ouf. Ouf. La maison. Bloque-toi dans la maison, je vais défendre. Ok, on va négocier, Fanta, bouge pas. Je vais te donner deux ou trois trucs. On et avec négocie ça, pas avec les terroristes. Avec tellement de ça, tu vas me faire tellement de barrières. D'accord. Merci. Okay. Et tiens, une épée en fer. Au cas où. Ensuite, il faut absolument qu'on se démerde pour réussir à faire un lit. Au moins, les zombies ne peuvent pas nous toucher à travers la barrière si tu tiens à bonne distance, si t'es safe. Si t'es safe, les zombies ne peuvent pas te toucher à travers la barrière. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'aspect sud de la maison, tu sais, derrière la maison. Nord, c'est là où on a le champ, hein. Tu t'en souviens ? Ouais, ouais. L'aspect sud de la maison est complètement pas défendu. Il y a une crevasse, mais il y a 5 creepers là-bas, et pour peu qu'ils me voient, ils vont me rusher, et on va se faire des glingos. Donc, pas de panique, pas de panique. À cet endroit, il ne pleut pas, pour des raisons qui me sont obscures. Il y a 2 creepers ici, par contre, qui sont passés, qui ont eu la génération. Pourquoi tu m'as acheté une épée ? Parce que j'en avais 2. Ah, ça, d'accord. Et là, il y a un zombie qui vient de tomber dans un trou. Je viens de me taper un creeper et de l'avoir. Ok, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a plein d'XP, il y a le creeper. Regardez qui regarde là! Regardez là où pointe mon épée! C'est complètement terrifiant! C'est complètement freaky! Aïe. Il faut que je le déloge parce que là... Creepy, creepy! Tu bug, creepy! Tu es dans l'arbre, creepy! Tu es complètement bugué, creepy! T'as failli tomber dans le trou! Non, c'est bon, il a pas pété. Et il m'a ta même lâché. Je te le dis souvent. Ah! Ah, salaud! Il l'attendait, celui-là! Oh putain! Ok, il a arrêté de pleuvoir. En fait, c'est vachement sélectif. Tiens, les barrières. Fais 3 pas de plus, Fanta. Regarde, avance sur 6 mètres. Avance, oui. Avance. Et tu verras à quel point la pluie est extrêmement sélective dans ce pays. Oh. Oh. C'est juste sur notre gueule, c'est chaud. Oh. C'est la cruauté la plus totale. Alors, on va s'en sortir en tout cas, hein, avec les viewers. J'espère que... Sing in the rain, just sing in the rain. J'ai des creepers sur le cul et je pose tellement de barrières. Il n'y a rien à faire là. Hein. Ah si, tu mets les barrières. D'accord. Tellement de zombies, c'est l'enfer. Attends que les creepers me tombent dessus. Attends. Là, par contre, ça va être horrible, tu vois, parce que les creepers peuvent passer par-dessus. Est-ce que tu as une pelle ? Oui. Eh ben, passe-la-moi, si tu... Ou aide-moi, parce qu'en fait, imagine, tu vois, la barrière que je vais creuser là, les creepers vont pouvoir passer par-dessus. Oui. Ah ! Et la foudre qui tombe. Ça m'a fait sursauter. Hop, hop. On est en période cyclonique à La Réunion, il est possible que je m'octroie des jours de congé gratuits. Ah, c'est la gratuité. Encore enfermé sans électricité et tout. Il marche parce qu'ils sautent, ils passeront par-dessus la barrière, tu vois. D'accord. Voilà, pire-en encore une petite marge et puis là on sera bon. Du moment qu'il y a une. Comment dire un... Bon, je vais me tenir du mauvais côté de la barrière, mais c'est pas grave. C'est un creeper ninja qui fait son Yamakaki. On va. Je vais improviser. Ça, c'est de la politique sécuritaire. Mode Sarkozy activé. Comment je vais t'empêcher de passer ? Comment les creepers ils passent pas la frontière ? Comment, si jamais il y en a un qui est sur à côté de méchant, je le renvoie avec un charter ? Comment c'est ma femme en personne qui va s'en charger ? Regarde, c'est... Et regarde le zombie juste en dessous. La faim est un problème, hein, quand même. Ouais, non, mais c'est pas grave, on peut le gérer. Mais vraiment, le problème, c'est que je sais pas comment on va faire pour sécuriser cet endroit, parce que tu vois, c'est plein de trous, de... C'est un merdier à sécuriser, t'imagines pas une seule putain de seconde. Ok, il y a déjà 2 creepers et un zonzon qui se croit tout permis. Non, mais en fait, on n'est pas chez nous. Ouais, c'est ça. Fais gaffe, hein, c'est comme ça que les politiques sécuritaires elles commencent. Ouais, c'est ça. Oh putain.
Misère, je suis presque mort. Il me reste 2 points de vie, Fanta. De toute façon, heureux... il faut qu'on se prépare hein, au présidentiel 2017. Oh mon Dieu, c'est horrible. Bob Lennon, président. Ah non, non, ça va pas, non. J'ai vu, il y avait un comique, Stéphane à l'évêque, qui avait fait super, super rebelle. Il va se présenter en tant que super rebelle. Sympa. Viens m'aider. Ouais. Mettre plus de barrières. Ouais, mais c'est toi qui les as toutes. Attends, j'arrive, tiens, voilà. Mais je vais en faire d'autres si tu veux. Non, 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 aide-moi, parce que là, il faut qu'on les mette en fait vite. Un niveau de barrière suffit, mais quand tu vois ça monte, comme là par exemple, t'en mets, ou là je me suis raté, mais t'en mets sur 2 niveaux. Bon, là il y a l'herbe, voilà. T'en mets sur 2 niveaux et tu fais en escalier de manière à sécuriser à 1100% l'endroit. Moi je vais essayer de continuer ça. Oh putain, un squelette, il me reste 1,5 point de vie, esquive! Oh putain, il est derrière l'arbre! Il est fou! Il est fou ce squelette, il est fou! Oh, je l'ai eu, c'est gratuit, merci Fanta, tu l'as délogé. J'ai eu de la chance parce que là... Attention, il y en a un autre, hein, sur ta droite! Tu m'as fait peur. Je l'ai eu. C'est bien. Ok, je vais continuer la barrière du côté de la grande crevasse. Il faut la ramener jusqu'où, là? Justement, on va se rejoindre. Ouais, mais il faut que je vois jusqu'où tu envisages de faire la protection, parce que t'as envisagé grand. Oui, mais j'envisage grand, mais je sécurise, moi, madame, hein, je rigole pas. Hein. C'est ça. Tu tiens tes promesses. Ah, et con. Oh, comme il a aucun moyen de passer avec cette technique. Oh, il n'y a rien qui passe, là. Rien qui passe dans les ténèbres. Tellement de barrières, Fanta. Ouais, ça, c'est les barrières de l'extrême. Hein. Il y en a partout. Ouais, c'est bon, on a fermé. Là, c'est fermé. Ok. Là, c'est fermé, même si l'espèce de grande crevasse est complètement pas sécuritaire pour notre cul et extrêmement dangereuse. Jusqu'où t'es allé jusque-là? C'est plutôt pas mal. Ok, donc on va faire ça. On va même sécuriser à mort. Parce que là, tu vois, il y a un petit renfoncement qui me plaît pas beaucoup. Honnête. Toujours un de décalage par rapport au reste du décor, tu sais. Oui. Ok. Voilà. Si tu peux vérifier les bords. Ok. Et avec ça, Fanta, on devrait être plutôt sécurite dès qu'on aura torché l'endroit. Comme dans Commandant Conquer. Vous n'auriez pas des chaussures? Un des meilleurs, ouais. Hein, Commandant Conquer Général, ça. Enfin, dès qu'on aura torché l'endroit, on sera en full sécurité. Alors, pas pour le scénario. Les... Oui, bah oui. Pour le gameplay. Oui, c'est vrai. Dès qu'on aura torché l'endroit, on sera en full sécurité totale et absolue. Il y a un mouton là-bas, tu peux le tondre? Oui. Il nous faut un lit. D'accord, il nous en faut deux en fait. Pour faire passer la nuit, déjà. Ah non, mais pour sauvegarder l'endroit déjà aussi. Je vois un squelette qui me tire dessus, c'est horrible. Alors, comment je vais passer? Je le tape, mais ça fait pas grand chose en vérité. C'est complètement buggé, je vais mourir! Non! Hop là. Bon, ah, je suis mort! L'enfoiré! Bon, c'est pas grave. L'enfoiré d'enfoiros. Alors, voyons voir, attends. Regarde, bon, j'ai dit T, je veux pas dire T. -188, 245. Alors, j'ai 3 laines, mais c'est tout, et je cherche un autre mouton pour lui faire la peau. Enfin, la laine. Un creeper, j'ai pas envie qu'il me tonde, lui. Il est moisi, ce biome, tellement de zombies partout. Ah, ça y est, il a arrêté de pleuvoir. Ah, il fait soleil. Ah, tu crames, fumier. Ah, tu fires. Je vais pas pouvoir sauter à cause de la barrière, je suis dans la merde. C'est pas grave, ça veut dire que tu trouvais pas du bon côté de la barrière. Par contre, j'ai trouvé un espèce d'Eden, Fanta, il y a plein de vaches et plein de moutons. Super, il faut que je te retrouve parce que j'ai besoin de moutons. Attends, le truc c'est que, tu sais, je suis perdu dans les ténèbres, si tu te souviens. Ok, donc je suis à la bonne hauteur et il faut que je me dirige dans cette direction. Hop, oh, oh. On n'est pas loin d'un biome neige, Fanta, c'est plutôt intéressant ça. Il y a plein de choses intéressantes. Tellement de choses intéressantes. Qu'est-ce qui se passe? Ah,
Il se passe que tu récupères des graines sur la route et qu'il fait jour et qu'on est libre. Fanta, il faut absolument qu'on trouve le moyen de torcher le plus possible l'endroit. Presque mort, surtout. Hein. Merde. Faut absolument que je récupère des graines, moi, de mon côté. Des graines, super, cool. Ça sort. Alors, ok. On peut pas manger des fleurs. Il y a des gâteaux à la fleur, tu sais que ça existe. Faudrait demander à Cadenus. Oui, ça existe. Fleur d'acacia, déjà, tu peux faire des beignets. C'est vrai. Classique, classique. Mon Dieu. Enfin bon. Hop, j'ai 6 graines, ce qui est hautement insuffisant, bien évidemment. Ça représente 2 pains. Et surtout, il nous faut. Tu sais, il faut attirer avec du foin ou du blé le bétail. Le cochon, ouais. Les moutons, les vaches, il nous faudra un élevage de tout, de toute façon. Et vu que les mobs ne repopent pas, et donc leur quantité est limitée sur le serveur, il faut absolument qu'on fasse de l'élevage. Hein. Oui, et l'agriculture intensive. Exactement. Alors pour l'instant, on commence à avoir pas mal de fer. Je pense que Fanta, on pourra s'équiper. Mais il nous faudra déjà au moins un set d'outils en fer chacun. Et là, on commencera à faire des armures. Probablement toi, d'ailleurs. Ta femme te le suggère souvent. Non, mais c'est con. Avant qu'on invente... On va en trouver une autre, ouais. Avant qu'on invente les vibreurs à piles, c'est mort. Ah là, je trouve des barrières, là, c'est quand même formidable. Des barrières qui, moi, ne m'empêchent pas de sauter par-dessus, mais un monstre, si. À part les araignées, bien sûr, mais on s'en contrebranle. Mmh. Voilà. Même si c'est difficile à se figurer. Oui, c'est pas... Se contrebranler, comment tu peux faire? Oui, non. Il faut faire ça, mais à contre-temps. Oh, un poulpe! Si je le tue, je récupère des trucs. Ouais, j'ai une chose, je sais pas ce que c'est. Ça devait être de l'encre noire, je pense. Oui. Ah. Et donc là, maintenant, on va pouvoir reboucher ce magnifique trou. Oh, purée, elle est pas pressée de pousser l'herbe, hein. Enfin, le blé. En plus, je marche. Ouais, et il se manie pas le cul. En plus, si tu marches dessus, c'est ça. Comme on a aucune chance, comme les viewers ils sont là, regardez. Putain, dans tes fantasmes, jamais ils vont s'en sortir. Ils vont crever dans d'atroces souffrances des ténèbres. Vous avez entièrement raison. On va probablement mûrir. Oui, mais tu sais que j'ai une superbe idée parce qu'on a un bon copain à nous qui veut nous rejoindre dans une petite vidéo bientôt. Là. Ah, on spoile pas? Non, on spoile pas. On spoile pas, évidemment qu'on les spoile. Mais on aura peut-être du renfort. Ouais, du gros renfort, du lourd. T'es pute! Non, je dis pas plus que moi, pas plus que moi. Ah oui, non, mais je sais. Je veux dire, voilà. Est-ce que tu as une bêche? Oui. Parfait. Tiens. Histoire de. Attention, on recule! C'est toi qui m'as fait peur, c'est pas lui. C'est pas grave! Mais quand je te dis recule, tu recules, tu tournes pas la tête! Ah, c'est pas grave, on a rien. Ah putain. Je vais faire un lit pour changer mon point de spawn. Je vais torcher tellement cet endroit. Mode permatorche activé. Alors là, ça va être l'heure de la vengeance, de la douleur. Je prends de la bûche, je vire de la barrière, ou plutôt je prends de la barrière, histoire de barriérer un peu plus encore l'endroit, sans aucune forme de pitié, de la torche. Et il me faut des petits bâtonnets, et tellement de charlol. Hop, voilà, on devrait être bon. Et ça, ça, plus ça, égale tellement de torches. Sauf si c'est la nuit, donc j'attends. Il est fait le lit, tu l'as fait où? Ouais, en bas. Ah, super. Et ça va nous... Ok, tu veux m'aider à torcher? Non. Oh. non, je sais pas ce que tu veux dire par là, surtout. Eh ben, torcher, l'objectif, c'est tu prends des torches, tu les poses partout sur notre putain de territoire. D'accord. Je veux qu'ici, ça ressemble à Harlem la nuit. Ok. C'est-à-dire que ça brille beaucoup. Et il faut que ça soit bien régulier ou t'en fous? Non, je m'en contrefous. Cela dit, tu vois, cette espèce de mur-là, il faudrait murer, en fait, ici. Parce que tu vois, il passe les monstres, sinon. Je vais faire ça, je vais murer. Le gars, il mure le canal, il mure tout. C'est la vente de gaz, ça. Mode perma-gestapo. Ça, c'est la blague à pas faire. Oh non. Non, Fanta, non. C'est politiquement complètement pas correct. Et j'ai pas de gilet pare-balles. Ah, je suis motivé. Hein. Là, je peux te dire, je torche. Ça va encore. Là, les gens, ils me voient torcher. T'écris pas des livres sur les droits des femmes voilées, ça va? T'es pas journaliste? Oh. Oh, on est cruel. On est complètement cruel. Bon, en même temps, hop. Fallait pas l'énerver. Plutôt que de le bouser, cet endroit, je vais y mettre des barrières à l'infini, comme ça, ils seront obligés de voir leur déchéance. Ils seront obligés de voir le fait que c'est access denied. Oh, et ça leur mettra le guac le plus absolu.
Ils vont être complètement deg. Ils vont être là, ah, on aimerait bien passer, ce serait formidable. Et non, ça passera rien du tout, ils iront dans les ténèbres. Oh. Alors, c'est pas très visuel là, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire là, je suis en train de tourner tel un robot pour déposer au sol de manière régulière des torches. Mais ça rendra très bien parce que la nuit est en train de tomber. Là. D'ailleurs, il nous faut deux torches. Ouais. Toute cette zone. Ah, on va sentir la différence. Mais là, on sent l'expérience du maire. Là. Hein, de quoi ? On sent l'expérience du maire, le maire d'Azur. Ah, oui, parce qu'on a eu tellement la frayeur quand Azur avait activé ses mobs. Avec les on avait tellement tout torché, je sais à quoi ça ressemble et je trouve ça joli perso. Il y a plein de gens qui sont là, ouais, ça ressemble à rien, tu torches, c'est moche et tout. Mais de loin, ça donne très beau, ça fait ville. Et puis ça fait civilisé, merde. J'espère juste que la pluie n'éteint pas les torches. Non. Sinon, on a la permarage. Et je suis bien content qu'il ait jamais, parce qu'il avait prévu de faire des torches qui durent. Des lanternes super dures à créer ou des torches qui durent pas à l'infini, enfin. Ouais. Ça, c'est... je suis content que ce n'est pas le cas parce que ce serait con. Ce serait dommage, ouais. On perdrait un aspect attrayant du gameplay qui. Alors, je fais du terraforming. Et au passage, si jamais tu vois des monstres, c'est que. C'est... Enfin, si tu vois des monstres qui viennent d'une direction particulière, c'est que tu n'as pas assez torché. Voilà, c'est ça. Il faut torcher plus. D'accord. Plus de torches. Toujours plus de torches. Plus de torches, sans aucune forme de pépépépépé. Ah tiens, je me fais communiquer par Nio, qui m'appelle Bobounet, oui, parce que nous... Vous êtes intime. Exactement, dans une relation extrêmement serrée, je dirais. Alors... Les gars, t'sais. Ah putain, surtout que j'ai oublié de couper mon Skype. Ah mais non, mais remarque, ouais, ce serait dur sinon. On peut les mettre aussi tout au long de la barrière, les torches, de manière à être sûr que ça pop pas trop près quand même. Que tant bien même ils tentent de popper chez nous, et ben que ça reste un échec global, absolu et intégral. Ah, je vois un zombie. Toi, t'as popé chez moi. Ça veut dire que j'ai mal fait mon boulot, certes. Cela dit, tu vas le regretter. Toi, t'es une araignée, donc c'est normal que tu popes où tu veux. C'est une araignée, on ne pourra pas les esquiver. Mais au moins, les araignées n'explosent pas en détruisant la moitié de notre travail. C'est ça. Exactement. Bon là, j'ai un peu trop torché, j'ai l'impression. On peut plus poster des torches dans les arbres, donc il faudra qu'on abatte tous les arbres qui sont dans notre juridiction, Fanta, parce que les mobs peuvent toujours apparaître dans les arbres, et donc nous tomber sur la... Oui, c'est ça. Moi, à l'époque d'Azur, j'avais commandité un abattage d'arbres considérable. J'avais exigé qu'il n'y ait absolument plus rien de vert ou de verdoyant à Azur. Alors après, c'était injustifié comme peur parce que... L'avenir, selon Bob Lennon. Il détruit tout. Tout est aseptisé. Moi, c'est l'avenir selon Eggman, tu sais. Je veux tout gougronner à la Robotnik, tu vois. Tu vois cet espace vert là-bas ? Pas moi. Tu vois ce lapin, c'est un robot maintenant. Exactement. T'as tout compris. Ah, tu vois, ce lapin, c'est un robot, il est con. Ah, mais c'est exactement ça, en plus, ça, c'est... Ok, je vais couper du bois, alors, c'est ça, le projet. Il mange de la cybersalade. Tu vois toute la forêt qu'on a à l'intérieur de chez nous, dans les barrières ? Ouais. Ah, moi, voilà, c'est ça, j'adore, c'est ma phrase favorite, ça. Quand j'avais des larbins à l'époque, c'est « Vous voyez cette montagne, là-bas ?» Ouais, ouais. Pas moi.